Donc dans la vidéo précédente, je t'avais dit qu'on allait faire un petit problème, et en fait ce petit problème est extrêmement classique quand il s'agit de parler de gravité. Il faut vraiment l'avoir fait au moins une fois. Donc il consiste à dire qu'on a une planète. Donc par exemple, nous on va dire que c'est la Terre. Et donc la masse de cette planète, eh bien on va l'appeler M, on va mettre petit m. Petit m indice T, c'est la masse de la planète. Et le rayon de la Terre, on l'écrit R indice T. Donc voilà. Et maintenant, on considère une deuxième planète qu'on va appeler petite planète. Donc cette petite planète, sa masse, que je peux dire m indice p, est égale à la moitié de la masse de la Terre. Et aussi son rayon, r indice p, eh bien r indice p est égal à la moitié du rayon de la Terre. Donc voilà, on a deux planètes, et en fait, dans une planète, d'une des deux planètes, le rayon est deux fois plus petit et la masse est deux fois plus petite. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette planète est sûrement beaucoup plus dense que la Terre, parce que si tu divises le rayon par deux, eh bien tu divises le volume par quelque chose en puissance 3, vu que le volume, c'est puissance 3 fois, enfin c'est en puissance de 3 quand il s'agit du rayon. Donc bref, je vais pas t'embrouiller là-dedans, mais elle est sûrement beaucoup plus dense. Donc on garde ça à l'esprit. Et donc maintenant, on va prendre un bonhomme. Donc on va prendre un bonhomme ici. Et la masse de ce bonhomme, c'est MB. Et en fait, on va prendre exactement le même bonhomme ici. Donc c'est un peu écrit dessus, mais c'est pas grave, MB. Et on va se demander quelle force de gravitation il ressent sur chacune de ces deux planètes. À quel point ces deux planètes l'attirent. Et est-ce que l'attraction est différente d'une planète sur l'autre. Donc on va commencer. Donc sur la Terre. Eh bien, je peux calculer et je dis que la force de gravitation que la Terre exerce sur le bonhomme, en fait, on va mettre plutôt indice T plutôt que de mettre G, c'est plus logique. Donc, la force de gravitation que la Terre exerce sur le bonhomme, eh bien, est égale à la constante universelle de la gravitation multipliée par la masse de la Terre multipliée par la masse du bonhomme divisée par, alors, la distance entre les centres de masse. Mais comme on l'a dit dans les précédentes vidéos, même si cet homme-là est très 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 grand, eh bien c'est pas les quelques centimètres ou le mètre et quelques qui ajoutent, qui pèsent face aux 6000 et quelques kilomètres qu'on avait vus ici. Donc on dit juste que c'est le rayon de la Terre au carré. Donc maintenant, on passe à la petite planète. Notre petite planète. Eh bien pour notre petite planète, la force d'attraction. Donc FP, que la petite planète exerce sur mon bonhomme, s'écrit grand G, constante universelle de la gravitation, fois la masse de cette petite planète, fois la masse du bonhomme qui se trouve sur cette planète, divisé par, de la même façon, on fait la même approximation, le rayon de la petite planète au carré. Et donc maintenant, je vais essayer d'utiliser les deux relations écrites ici pour exprimer la force de gravitation de la petite planète en fonction de la masse de la Terre et du rayon de la Terre. Donc, je dis que c'est G fois 1 demi de la masse de la Terre, donc ça c'est ce qui remplace la masse de la petite planète, fois la masse du bonhomme. Et là, je divise le rayon de la petite planète, c'est 1 demi du rayon de la Terre. Et tout au carré, hein, j'oublie pas. Donc finalement, je vois que si je sors un peu les scalaires qui sont ici, eh bien ça me fait 1 demi fois, donc 1 demi à la puissance 2, ça me fait 1 quart, donc ça me fait fois 4 en fait, multiplié par la constante universelle de la gravitation, fois la masse de la Terre, fois la masse du bonhomme, divisé par le rayon de la Terre au carré. Donc finalement, hein, je vois que ça me fait juste, c'est juste des maths là, deux fois tout ça. Et en fait, tout ça, si je regarde bien, c'est g fois mt fois mb sur rt au carré. Eh bien, c'est exactement la même chose que ça. G fois mt fois mb divisé par rt au carré. Donc, je peux dire que c'est directement fois ft. Donc, j'ai montré que la force de gravitation sur la petite planète, eh bien, elle est deux fois plus grande que sur la grande planète, sur la Terre. Et ça, à premier abord, c'est pas forcément logique, parce qu'on se dit que sur la Terre, quand il s'agit de gravitation, c'est la masse qui compte, vu qu'on a dit que c'est le fait d'avoir une masse qui fait que deux objets s'attirent. Et donc, plus la masse est lourde, plus on devrait être attiré vers cette masse.
Mais en fait, on a oublié que dans la formule, on voit bien qu'il y a le rayon aussi qui compte. Il y a le rayon. Et en plus, le rayon, il est au carré, donc il est même plus important quelque part que la masse. Et en fait, donc ici, ce qui se passe dans la petite planète, c'est qu'on est plus proche du centre de masse de l'objet. Le rayon est plus petit. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, cette planète est sûrement plus dense. Ouais, pas sûrement, elle est plus dense que la Terre. Donc on est sur un objet à la fois plus dense et on est plus proche du centre de masse. Et c'est donc pour ça que l'attraction ressentie est supérieure comparée à celle de la Terre. Donc là, on a vu un point important qui était de dire qu'on a beaucoup parlé des importances de la masse quand il s'agit de gravitation, mais que le rayon est lui aussi extrêmement important. Il y a une deuxième chose dont j'aimerais te parler, qu'on oublie un petit peu. Donc Newton, on n'oublie pas, il a dit que la force de gravitation entre deux objets, eh bien, elle s'applique justement entre deux objets. C'est-à-dire que si je considère avoir une planète, donc imaginons c'est la Terre ici, et je sais pas, une navette spatiale ici, eh bien, ce que je sais, ce que j'utilise tout le temps, c'est que la Terre va attirer la navette spatiale comme ceci. Mais j'oublie, mais cette force existe aussi. Donc la navette spatiale va elle aussi attirer la Terre. Et alors là, mon dessin est mal fait parce que la force, elle est égale et opposée. La direction est la même, mais la norme est la même, mais le sens est opposé. Donc ces deux objets s'attirent. Mais alors, on est d'accord que quand on regarde les choses, on a plus l'impression que c'est la navette spatiale qui est attirée par la Terre. Eh bien là encore, c'est très simple. Si maintenant je considère ces deux objets comme un tout, donc je dis que la navette spatiale plus la Terre, eh bien c'est un système, et je cherche le centre de masse de ce système. Eh bien comme la Terre est beaucoup, 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 beaucoup plus lourde que ma navette spatiale, eh bien le centre de masse de ce système à deux objets, il va se trouver quasiment confondu avec le centre de masse de la Terre. Et en fait, comme les objets vont tendre à se rencontrer au centre de masse, eh bien finalement, c'est comme si la navette spatiale était la seule à se rapprocher et à venir vers la Terre. Et même, on voit qu'elle n'atteindra jamais ce centre de masse du système des deux objets, vu qu'avant ça, elle va s'écraser dans la mer, même dans l'atmosphère, hein, tu vois, elle va jamais réussir à rencontrer ce centre de masse-là. Et donc ça, c'est une idée, peut-être qu'on comprend mieux si on prend maintenant deux personnes dans l'espace. Donc elles sont dans l'espace en apesanteur, mais elles-mêmes, elles possèdent deux masses, donc elles s'attirent entre elles. Donc lui, il se fait attirer par l'autre, et comme ceci. Et donc le centre de masse du système de ces deux personnes qui se trouve quelque part au milieu, si on dit qu'ils sont à peu près de même masse, eh bien ces deux personnes vont avoir tendance à s'attirer, et là les deux personnes vont bouger pour se rapprocher et se rencontrer au centre de masse du système des deux personnes. Donc tu vois, ça aussi c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas oublier que les deux forces existent, mais souvent on ne tient compte que d'une parce que l'autre finalement ne donne pas un mouvement, ou en tout cas n'est pas importante dans l'étude, mais elle existe. Mais bon, en fait, c'était un exemple assez hypothétique, parce que si tu fais vraiment le calcul des forces gravitationnelles entre ces deux personnes et entre toutes les autres forces qui s'appliquent sur elles, bien tu verras qu'il y a d'autres forces qui sont beaucoup plus importantes que celles-là, et que du coup, je pense pas qu'elles ont vraiment une influence. Mais bon, c'était juste pour t'expliquer. Donc j'espère que je t'ai pas trop perdu et que tu as compris toutes ces choses sur la gravitation, les paramètres importants, etc. Et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.